constructif, Saint-Gobain demeure aujourd'hui au sommet de la hiérarchie mondiale. Une structure unique, 35 décennies depuis sa genèse, et pourtant la légèreté de la jeunesse. Enfin, cependant, si toutes les bonnes choses ont une fin, les meilleures ont peut-être pour elles l'éternité. Effleurer l'éternel, devant les aléas, le hasard, la déveine, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, dans cette tâche si hardie et si ardue, bon courage, bonne chance, et par la même, pour finir, une bonne conférence. Merci à vous. Un grand banquier aux États-Unis m'a demandé, mais quelle est votre ambition? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir fait dans les 10-15 ans qui viennent? Mais pour survivre, il faut faire beaucoup de choses, il faut se renouveler en permanence, et il faut se renouveler constamment. À Shanghai, oui, c'était un clin d'œil aussi au fait que le monde ne se résume pas aujourd'hui pour Saint-Gobain à la France. Sur les dernières années, c'est la France qui a le plus souffert de la crise qu'on a connue. On a à peu près un quart de notre chiffre d'affaires en France. La France est en retard parce que entre 2012 et 2014, il y a eu énormément de mesures, d'accumulation de mesures qui ont été très mauvaises pour les secteurs du bâtiment et de la construction. En 2014-2015, si la France avait eu dans le domaine de la construction à peu près la même activité que les autres pays d'Europe qui nous entourent, c'était 0,5 points de PIB en plus, donc c'est pas négligeable. Mais la partie française du CAC 40 va pas très bien. La France a fait le choix de faire peser sur l'entreprise toute une série de coûts qui, dans beaucoup d'autres pays, sont financés d'une autre manière. Et en plus, il y en a plus de coûts puisqu'on a une dépense publique qui a des records mal, si vous voulez, à la fois les prélèvements obligatoires et la dépense publique. Ça veut dire que les entreprises françaises ont un handicap qui est lié à ce coût du travail. Des signaux clair, de visibilité à moyen terme. Moi, quand je vais investir, quand je vais prendre une décision d'investissement, c'est pour 15 ans, c'est pour 20 ans. Donc on a besoin de visibilité. Ce sont aujourd'hui les jeunes qui sont les principales victimes des rigidités du marché du travail en France. Et on a un problème de rigidité. Une des raisons pour lesquelles ça ne repart pas, c'est que nos clients, les entreprises, les PME, les artisans, ils ont peur d'embaucher. On a un frein, si vous voulez, à l'emploi. Tout ce qui peut donner le sentiment que le travail c'est pénible, que le travail c'est pas bien, qu'il faut travailler moins parce que c'est pas bien de travailler, tout ça, ça va dans le mauvais sens. Je pense qu'il faut réhabiliter la valeur travail. Voilà. Donc il faut de la souplesse. Juste deux chiffres. Hein. Le taux de chômage en Allemagne, il est la moitié du taux de chômage en France. Il y a deux fois plus de robots en Allemagne qu'en France. Un des éléments, c'est la modernisation rapide des usines. Donc la French Tech est en plein développement. Hein. Alors, donc, la difficulté qu'on a en France, c'est il y a des grosses entreprises qui marchent très bien. Il y a des tas de petites entreprises qui marchent bien. On a plus un problème, quand on se compare à l'Allemagne, sur ce qu'on appelle les ETI ou les entreprises de taille intermédiaire. La ressource en capital est moins disponible que dans les pays d'à côté, et la taxation du capital n'aide pas la succession dans les entreprises. Donc voilà, la vie est trop courte pour qu'on s'emmerde aussi. Mais la stratégie de Saint-Gobain, c'est de contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale de la planète.